Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous comptons entrer la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission. Oui, ou sous Chanel Paula. 1804 Réseau Nouvelle. Plateforme actualité, plateforme information. Alors même qui peut qu'on fait partie communauté ça, n'a invité ou abonner sous vidéo ça même. Et dès que vous fin abonné, activez la cloche notification. Retirez le sous option personnalisée, mettez le sous toute. Yon façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour patience ou ak fidélité. Sans plus tarder, n'a pas entré directement en dans développement information. Bouik chargé pas campé. Rale ti chez ou, montez vos limous. En attendant de ça avec pour plus de détails. Arrestation Joseph Félix Badiou, Zimpiret dans la République. Des bagailles nous pral kon toujours. Hein, kaout la commencé cuite, bagaille yo mélangé. Mesdames et messieurs, eh bien Badiou mandé là pour le fond face à face avec Rockefeller Vincent, ancien ministre justice sous Jovenel Moïse, et li mandé pour le fond face à face tout avec Léon Charles, ancien directeur police nationale d'Haïti, zami Haïti TV Info yo. Donc bagalala li compliqué, bagalala mélangé nan men Joseph Félix Badiou. Donc nèg yo la assemblée gen parole k'ap pale en bas en bas. Eh bien, n'a pral ton ki sa sa pral bay, n'a vin tourné sou sa pou n'expliquer ou même Badiou mande pou mete le face à face avec donc citoyen sa ki rele Léon Charles qui représente Haïti nan OEA et comme ambassadeur, et puis li mande pou rencontrer la tout donc ancien ministre justice sous Jovenel Moïse la Rockefeller Vincent n'a vini. Et puis gagnen dossier qui gen pour avec force multinationale dans pays d'Haïti, gagnen ministre intérieur pays Kenya qui rele Kiture, alors Kiture qui ndiki. C'est Kitoure Kindiki qui fait qu'on est jeudi 9 octobre là. Pour envoyer les policiers en Haïti, il faut que les Nations Unies acceptent 225 millions d'euros qui ont été promis. C'est ça, déclaration. Donc, les Nations Unies semblent promettre 225 millions d'euros pour faire préparation. Je dis tout le monde a l'argent, ça, il n'y a pas fait. Pas quitté, il n'y a pas nago. N'a vinn tourner, mais faut nous faut qu'on ait d'après AFP et c'est 600 millions de dollars et que troupes Kenya a coûté pays a sous yon l'année. 600 millions de dollars troupes Kenya a coûté pays a sous yon l'année. N'a fait coup de patte sous dossier canal là tout. Donc n'a fait qu'on ait gagné un gros chef là qui sorti inch qui vient renforcer avec l'autre troupe avec lui qui vient renforcer agent Bessapio sous canal là. On va le faire entendre des déclarations moun sa yo qui même t'est débarqué. Et pendant l'autre bois n'a fait qu'on ait nous connait nous t'ai parlé de ça, un deuxième canal qui a fouillé donc dans zone Malfetti, élève lycée et Malfetti yo vini avec tout uniforme sou yo, yo vini ba écoute main nan question canal là. Et dans même zone ça tout n'a faut connait gagnen et militaire dominicain qui saccagé un citoyen haïtien. Donc qui lui-même pendant l'été sous frontière militaire dominicain yo sa partage un garçon yo saccagé la cou. Mesdames et messieurs, n'a vinn fait les points autour de dossier sa yo nan on badge et toujours été connecté avec nous. Et puis nous apprendre dans les coulisses là gagnen Gilbert et Bidjo. Nous connaissons qui sont gros investisseurs en République dominicaine. Eh bien, gagnen en pile citoyen dominicain là qui a demandé à Binadel pour laguer pied Bidjo. N'a pas vini sur dossier ça parce que yo di Bidjo son nèg qui fan pas fin trop droite. Et puis gen on to la crele Doudou nan Milo qui li même tal pour prend la caille yon ougan pour pas prendre balle. Et bien monsieur dame monsieur mouri sous l'hôpital sous cabane l'hôpital Sacré-Cœur Milo hier 8 novembre hier mercredi a, parce que prend ensemble pas marché monsieur prend plusieurs balles pendant t'a essayer et puis monsieur mouri. Et puis gagne un artiste là tout le monde qui pral parler côté bandi nan Canaran yo kembe monsieur yo fait 3 jours a jouer programme pour yo n'a pral temps de déclaration. Donc jeune garçon si là qui même t'a parlé dans micro Haïti TV Info. Donc c'est point ça yo avec divers lot n'a tourner pour
nous venons développer pour mesdames et messieurs dans cadre édition nouvelle nous après-midi. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous espérons que nous en forme, nous espérons que nous avons kembe femme malgré situation compliquée. Salutations pour spécial pour tout le monde qui est habitué connecté avec nous. Nous avons toujours fait ça. Quittez-nous dans les commentaires. Nous avons toujours là pour nous saluer. Salutations pour Mani Dibelatis, Sadrak, Ginel, Fereda Fini, Denis Laguerre, Andieu Védrine. Il y a Benji Florville, il y a Suzette Natampa, Sadrak, nous saluons et tout le monde saluons. Ferdinand, Luna Figaro, Docteur Marcel avec Madame Liolet dans New Jersey. Tout le peuple ici en net en général, donc on est qui a souffert les derniers temps, nous voyons big up pour nous, mesdames et messieurs. Eh bien, on a fait un coup de patte dans ça qui vient pour avec Jean de Dieu, arrestation Joseph Félix Badio, bagaille la compliqué. Léon Charles n'en courit et Rockefeller Vincent n'en courit. Nous songeons nous te parler de ça. T'es gagné donc yon déclaration qui t'est faite côté que t'es demandé pour eh bien Martine Moïse 15 jours après elle t'est vini dans la Kailia côté elle t'est vini ramasser et à Zafeli eh bien nous apprenons l'été posé et Rockefeller Vincent t'est demandé qui l'a wap arrêté Badio. Ça veut dire Martine t'est connaît Badio déjà et il t'est gagné information que Badio t'est impliqué dans le bon Maril. C'est peut-être nous capable dit au conditionnel. Eh bien Joseph Félix Badio qui est en prison dans le pays d'Haïti pour aller là mandé en face à face entre même avec Léon Charles et puis Rockefeller Vincent. Ça pral gen là. Go causé, mandon face à face. Mais est-ce que face à face la fête? Nous apprenons gagner yon journal qui même te quantique sous dossier ça. Léon Charles te relé journal là. Il dit pas de problème pour le contrat Badio. Guerre, la guerre froide. Eh bien, il dit pas de problème pour le contrat Badio parce que Falcon qui sa Badio pral gen pour le deal. C'est ça l'information, mesdames et messieurs. Eh bien, pourquoi elle est là? Bagay la li extrêmement compliqué dans men la justice pays d'Haïti. Parce que si toutefois Badio li accepte rencontrer avec M. Sayo, ou bien comme Félix Badio qui est en Mandel, et Rofele Vincent rencontre, ça pral dit. Est-ce que M. Pral dénonce nèg yo? Donc semble la gan pile nèg de a fait mouik la. Pile nèg la diare pral pran yo. Parce que bagay la li même li compliqué dans men yo. Eh bien, Joseph Félix Badio dit pas de problème là pour le rencontrer avec Rockefeller Vincent, ancien ministre de justice sous Jovenel Moïse. Il dit tout le pas de crasse problème pour le rencontrer tout avec donc Léon Charles, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, autour de l'assassinat sous défunt président Jovenel Moïse. Parce que bagay ça, l'équité en pile goy. En pile donc grief au sein de la population haïtienne, surtout les jovenelistes, mesdames et messieurs. Bagay la compliqué. Donc nous pral wè qui ça lui-même li pral bay. Donc nan sa ki gen pou avec assassinat de fin président Jovenel Moïse. Et puis n'a pral parler des questions force multinationale. Ministre intérieur pays Kenya Kithure Kindiki déclaré journée jeudi 9 octobre 2023 ça devant parlement kenyan et que les policiers qui doivent faire partie mission multinationale qui viennent porter soutien en sécurité dans affaires pays d'Haïti pour y débarquer en Haïti faut qu'ils rejoignent 225 millions d'euros que les Nations Unies te promettent, mesdames et messieurs. Pays Kenya exige l'argent ça pour capable faire quelques dépenses avant de voyer 1000 policiers venir dans pays d'Haïti. Donc le ministre a informé que déploiement et policiers Kenya ça dans pays d'Haïti pour supporter PNH là dans lutte contre gang yo te doué recevoir 36,570 millions de shilling. L'un des shilling non c'est l'argent que pays Kenya servi et bien qui estimé avec 225 millions d'euros environ. Ministre l'a dit, nous avons convenu que les ressources pour cette mission seront organisées et mobilisées parmi les États membres de l'ONU. Si toutes les ressources ne sont pas mobilisées et mises à disposition, nos troupes ne quitteront pas le pays. Aïe, 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 garçon qui a parlé. Je dis, si vous pas joué de l'argent, eh bien, troupes n'ont pas débarqué en Haïti. Pas de coup, pas de doute sur ça. Je dis, pour vous venir en Haïti, faut quand même vous joignez l'argent ça. Donc, vous exigez que les Nations Unies baillent. Nous connaissons même jeudi 9 novembre ça, la Cour suprême pays Kenya a dû prononcer le tout.
Donc sous ça qui est pour avec Vini et force multinationale là parce que nous connaissons était de faire le 24 octobre, il était poussé pour 9 et novembre là. Est-ce que il a pris décision aujourd'hui à tout, mais nous pour qu'on connaît en tout cas et pays Kenya exiger faut qu'il joigne 225 millions d'euros et donc s'il pas jeune comme ça force li a pas fait yon pakita yon panago. Donc pour qu'il est nous là nous pour connait mais faut que nous faut connait tout mesdames et messieurs d'après information que ministre intérieur Kenya by AFP eh bien déploiement et policiers kenyan dans pays d'Haïti mission kenyan ça dans pays d'Haïti a coûté 600 millions de dollars sous yon l'année. Est-ce que vous pas ta capable comme ça pour régler le bagarre avec lui? Est-ce que vous pas ta capable aider la police là bail la police hélicoptère bail police à matériel de travail pour yon capable vinn ba formation bail équipement? Au contraire vous préférez vinn gaspiller l'argent gagoton l'argent alors que rien sérieux pas régler vraiment dans le pays. Donc il n'est que d'attendre, c'est main cap frotter en tout cas pour nous connaître qui ça ça pral bail. En tout cas nous connaît Ariel Henry cap frotter même pour élection n'a pas parler de ça, mais de toute façon, bagala compliqué dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Et puis, n'a fond jambé sous canal là pour nous faire connaître que à jambé sapio, yo joine renfort. Et gagné une équipe qui sorti dans Inch là qui vient supporter monsieur yo qui vient porter renfort pour yo sous frontière non pas perdre temps non on a le fort de déclaration et responsable ça qui t'a parlé dans micro la presse famille Haïti TV info côté que donc yo a bail support yo pour renforcer agent ça parce que nous connaît mon fréquent qui fait l'autre bois on a entendu. Avec agent yo et pour parler avec population. Merci. Merci Abel. Moi salue population. Moi salue population. Moi salue le monde. Et moi salue tout agent Bessapio en particulier et qui est sous zone Guanamed et précisément sur canal là. Et tout l'autre agent Bessa pour captain d'aide à travers le pays. On continue. Regardez tous les devants. Non, BAM, c'est Jean-Pierre Fritier, du commandant Pierre. Je suis sorti du côté de plateau central. À travers direction générale, à travers directeur Jean-Tel Joseph avec staff Lee. Je pensais que j'étais capable de voir sur ce canal là, que j'étais capable de renforcer l'équipe qui est ici là, en même temps pour prendre commandement à gens qui sont sur ce canal là, pour travailler là, capable de marcher et bien. Nous venons là pour nous capables d'assurer la population, pour nous assurer tout le monde. Et nous venons pour nous travailler la journée, pour la nuit, même dans ça qu'on fait ici là déjà. Avec agents, avec population, avec la presse en général. Et directeur nous, Jean-Tel Joseph,
Ni voulait renforcer nous en l'autre fois encore pour nous travailler pour canal ça pas perdu pour canal là pas camper parce que canal là pas camper canal là pas doit camper ça m'a demandé oui c'est comme ça information été merci à vous même qui te prend le soin pour garder toute vidéo pas oublier qui te avis pas dans section commentaire m'a content répondre nous et moi j'ai pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.